Psaume 40. Heureux celui qui comprend le mendiant et le pauvre. Au jour mauvais, Dieu le délivrera. Que le Seigneur le garde et le fasse vivre, qu'il lui donne la félicité sur la terre, qu'il ne le livre pas aux mains de ses ennemis. Que le Seigneur lui porte secours sur le lit de sa douleur. Vous avez remué toute sa couche en son infirmité. Pour moi, j'ai dit, Seigneur, ayez pitié de moi. Guérissez mon âme, car j'ai péché contre vous. Mes ennemis ont mal parlé contre moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si l'un d'eux entrait pour me voir, son cœur parlait faussement. Il amassait en lui-même son iniquité. Il sortait et il parlait avec d'autres. Tous mes ennemis chuchotaient contre moi. Ils tramaient ma perte. Ils ont formé un dessein inique contre moi. Mais celui qui est couché ne pourra-t-il ressusciter? Car l'homme de ma paix en qui j'avais espéré, celui qui mangeait mon pain, a levé fièrement son talon sur moi. Mais vous, Seigneur, ayez pitié de moi, et ressuscitez-moi, et je leur rendrai. En cela j'ai connu que vous m'avez aimé, car mon ennemi ne se réjouira point de moi. Vous m'avez protégé à cause de mon innocence, et vous m'avez établi devant vous pour toujours. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il, ainsi soit-il.